Hello tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de A Plague Tale Requiem, un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Asobo Studio. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go! Lucas, viens, dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier, que se passe-t-il? Il n'a pas bien réagi, il fait une crise. Quoi? Mère! Vous devez arrêter ça, on ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'Ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul, je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des Bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Il pleut bergère. Je crois pas qu'il pleuvait dans le... dans saleté le 1. De pluie. C'est assez loin. Ne perdons pas de temps. Après, on va frisoter les cheveux et tout, ça va pas être cool, hein. La situation est de pire en pire. Je sais que tu es inquiète, mais laisse un peu de temps au magistère Vaudin. Du temps? Du temps pour quoi? Pour faire souffrir Hugo encore plus? Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça! Il traite mon frère comme un animal. Non. Trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia? Continue de veiller sur lui pour moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. En tout cas, l'effet de la pluie sur les vêtements est super bien fait. Hein. Ils sont tous partis. Alors moi, je le suis, mais je sais pas où on va. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien, notre porte devrait être par ici. Oh, sans peste. Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Attends, moi je vais juste regarder s'il n'y a pas les collectifs dans le coin. Parce que dans ce chapitre, on doit trouver une fleur et deux souvenirs. Alors, on y va. Et là, il n'y a rien. Bon, tu es prête? Oui, allons-y. Let's go! Allez, pousse, Lucas, pousse! La viande pourrie. Oui, c'est le quartier des Bouchers. C'est le plus court pour aller chez l'herboriste. Par ici, bonnes gens. Elle est belle, ma volaille. Elle est belle. Port du porc. À rôtir, à bouillir. Le plus savoureux du monde. On met l'eau à la bouche, c'est vrai. Ah, il y a de la viande partout. Si vous n'avez jamais mangé de bœuf, vous ratez quelque chose. Oh non, ça ira, merci. Voilà les portes de la ville. Nous n'y sommes pas encore. Attends. Et l'état d'Hugo pourrait empirer à chaque seconde. Vite! Ça va bien se passer. Ah!
Ah, des fragments. Ça veut dire qu'on va commencer à crafter, je pense, notre matériel. Ça commence. Ça y est. Ah, il n'y a rien non plus. Il n'y a rien. Attention les poules. On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-nous passer. Que se passe-t-il? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Comment Zard, ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe, au moins. Les enfants sont à l'intérieur. On sait bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous nous cachez? Des gens sont morts. Mais où voulez-vous qu'on aille? Hé, hey, il y a une ruelle par là. T'en penses quoi? Tu vois un moyen d'entrer? Attends. Je pense. Oui. Oh, c'est dégueulasse. Par ici, Amicia. Ça a l'air sûr. On est chez quelqu'un? On ne fait que passer. Voilà, est-ce qu'il y a encore des choses à ramasser? Oh, il y a rien. Je rêve. Les déchets des boucheries, il faut vraiment passer par là? Oh non, 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 non. Oh, dégueulasse. Ouais. N'y pense pas, retiens ta respiration. Non. Non. Non, 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 non. Oh, il a mis la tête dedans. Oh non, mais dis c'est pas. Dégueulasse. Si. J'en ai eu dans la bouche. Je t'ai dit de pas respirer. J'ai paniqué. Oh, Lucas. Bon. Toutes les choses qui doivent proliférer là-dedans. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement une transformation de la matière. Je crois que je vais vomir. Vas-y, je crois pas qu'il y ait des fleurs là. Accroche-toi. On est d'accord. Y'a pas de fleurs. Vas-y. Oh, Seigneur. Oh, c'est immonde. Mes bottes sont fichues. Le sol est recouvert de sang. Comme la reine. Tout cet endroit n'est qu'un appât. Ah, c'est par là. On va ramasser. Alors, on va crafter ce qu'on peut crafter. Voilà. Il y a une charrette qui bloque. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Oula. Oh non. Non. Bon. Pas encore. Il nous faut de la lumière. Vite. Oh purée. Je le savais. Les rats se répandent déjà. On va encore devoir se frayer un chemin. On va y arriver. Pense à la belladone. Ah, c'est tout bon. Ce qui compte. Oui. Oui. Allez, poussez-vous. Alors, là, il n'y a rien. Il y a un truc là-bas. Les brasiers sont trop faibles pour qu'on puisse traverser. Tu as entendu? Il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. C'est comme à la reine. Là, il n'y a rien. Ouais. Alors, Ah, donc ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un pot. Allez, cours! La viande les a attirés. Est-ce que là il y a quelque chose? Non, là il y a rien. Ok. Attends, on va pas se faire manger. Ah, il faut qu'ils bougent. Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça? Oui, évidemment. Alors, attends. Pousse-toi.
pourquoi ça marche. Ah, pardon, je pensais que c'était une cave. Ah. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ce sac. C'est le même que ceux de la charrette. Essaie de l'atteindre avec ta fronde. Ouais, t'as raison, baisse-toi. C'est quoi cette poudre? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon à savoir. C'est encore du salpêtre, non? Oui. Il y en a plein. Ah. Là, y a rien, là? Non. Ok. On va pousser ça, j'imagine. Si les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Oh, je sais pas conduire, moi, ce truc. Oui. C'est infesté. Paul, il faut partir. Attends, la lumière. Les habitants. Sans doute. Combien sont restés ici? On va enlever la viande qui est par là. Ok. Et la viande qui est par là. Le feu maintenant. Il y a du salpêtre à l'extérieur. Oui. Ah, c'est ça. On va le mettre là-bas. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas pousse là. Pousse-toi. Attends, j'en prends un peu. C'est vraiment très utile. C'est bon. Tu peux y aller. Je m'en occupe. Recule. C'est bon. On continue. Ouh. Oui, beau travail. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Et là non plus. Alors, on va pouvoir monter. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos. Il est hors de la ville, non? Il est peut-être épargné. Alors, voyons si on a des choses à ramasser. Oh, il y a un coffre par ici. Donc on n'est pas encore tombé sur les fameux coffres secrets. La suite, c'est par là. On va regarder s'il y a quelque chose par là. Un couteau. Magnifique. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Oh non, un soldat. Hé hey, qu'est-ce que vous fichez là? On ne fait que passer. Personne ne doit sortir. Ce sont les ordres. Attendez, non. Vous devriez être mort. Il va la lancer. Amicia. Ah oh, hé hey. Oh Seigneur. C'était moi une. Tu viens de tuer un soldat de l'armée de Provence. Hey, il m'a visé. Pourquoi nous a-t-il attaqué? Attends, il m'a attaqué. Il m'a lancé une lance et regarde. Tout. Il tue les habitants. Ils exécutent la population. Ouais, tu vois. Hey, reviens ici, reprends. Attention. Non. Bon sang. Eh ben, il ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. On tuera sans hésiter, c'est une nouvelle voie. C'est eux ou nous, maintenant. Hugo a besoin de cette Belladone, et vite. Tu as sûrement raison. Écoute, tu peux utiliser ce salpêtre contre certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Extinguis, d'accord. Alors, ah, là. C'est fait. Maintenant, lance-le sur la torche pour... Tu sais. Je sais. C'est parti. Ah, c'est immonde. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est toujours... choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Bon, je vais quand même rallumer au cas où, parce que je suis pas sereine. Ah non! Ah non! J'aurais peut-être pas dû. J'aurais pas dû. Ah oh, purée, j'aurais pas dû. Si je rééteins. Ah ouais, d'accord. On va le laisser sur le corps. Ok. Je vais voir s'il y a un truc par là. Bah, j'ai épuisé pour rien. Voilà, laissez-moi. Allez par là. Allez. Restez là, gentil. Laisse-toi, voilà un autre. Plus on a de cadavres dans les rues, plus les rats
pas question d'ouvrir ces portes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ne l'ont pas volé. Pas le temps de Hugo compte sur nous. Oh, alors, moi j'ai aucune pitié là. N'oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées. Il faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Il y a un truc par là. Est-ce qu'à un moment donné il va descendre? Parce que ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un truc où il faut. Ah, mais j'ai pas envie de faire du bruit pour rien non plus. Coucou, bonhomme, est-ce que tu vas descendre? Non, je crois pas, hein. Bon, alors attends, j'attends qu'il ait le dos tourné. Un autre dîner, saleté. Je vais aller par là. On a un bâton, je sais pas trop pourquoi. Regardez par là. On doit quitter cette ville et laisser Vautin derrière nous. Pourquoi, Amicia? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. Là, c'est un pot. Ouais, non. Allumé. On va y aller. C'est dommage qu'avec la torche, elle puisse pas courir parce que ça aurait été quand même pas mal pratique. Les portes de la ville. Enfin. N'oubliez pas les gars. Toujours dans la lumière. Oh non. Ils sortent. L'herboriste est là-bas. Non, me dis pas qu'il. Ne pousse-moi pas. Poussez-moi pas. On va en crafter un. Alors, on va aller par là. Donc attends, là il n'y a rien. On va monter. Voyons ce qu'il contient. Un outil. Pas de chose. J'aurai mon équipement avec un établi. Ah, ça y est, on va pouvoir crafter aussi son matos. Ces fameux les outils. Il paraît qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. Ah, la bête. Pardon. Ça explique le carnage. Ce type est un boucher. Il y a deux torches. Ton pot. Un nuage d'extinguis peut éteindre plusieurs torches. Fabrique. Okay. Les rafleurs sont déjà passés. Ils ont peut-être oublié des trucs. Tu rêves, mon gars. On a déjà perdu assez de temps à cause d'eux. Viens. Ils ont fermé la herse. Il doit bien y avoir un moyen de le rouvrir. Ouais, il doit bien y avoir un moyen. On va vérifier. Non. Alors, c'est confirmé. Et là, il n'y a rien. Alors, j'espère qu'Hugo tient le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Ah. Allez, vas-y. Allez. On va avoir un problème. Quoi? Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. La c'est course, ça. C'est ma spécialité. Lâche mon signal. Attends, je me prépare. Maintenant. Cours. J'arrive.
Allez, cours, 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 cours. Plus vite. Je suis derrière toi. Ouh. Oh. Oui. On y est. We did it. Beau travail. Franchement, je suis plus rapide que Usain Bolt. Pas de rats. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. Alors, il y a une fleur à ramasser. Je vais juste checker. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas. Que dis-tu de ça? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Et rien. Je tenterai de demander. Merci. Bon, Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence. C'est étrange. Il y avait des gens ici récemment. Pas de sang, ni de traces de but. Où sont-ils tous? Là, on peut pas passer. Cette forge a été utilisée récemment. Il y a une forge. On va juste faire le pourtour. Non, pas. Ah, je suis coincée. Ah, ça brille là. Attends, ça brille. Alors, attends. Un pot. Ça brille. Voyons ce qu'il y a. On a ouvert. Alors attends. On a ouvert un portail. Une tombe. À côté d'une maison. Vous les veillez sur leur mort. Je peux les comprendre. Nous n'avons jamais enterré père. Il repose chez lui, la mission. Tu as raison. Continuons plutôt. Ah ! Et on a trouvé un nouveau souvenir. Une tombe. Donc, nous avons 3 souvenirs sur 21. Parfait, parfait. Et Lucas, il est passé où? Parce que je l'entends de loin. Je sais pas où il est passé. On va continuer à checker. Je vais voir s'il y a une fleur. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, on ne peut pas monter. Là non plus. Ok. Ah, il est coincé. Bah viens. Ah. Du coup, on va aller à la forge qui est par là. Hé, il y a un établi là. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. On ne sait pas ce qui nous attend. Oui, d'accord. Alors, attends. Tu devrais vraiment te servir de cet établi maintenant. Si ça peut nous aider à mettre la main sur cette belladone. Bien sûr. Oui, 30 secondes. Je peux utiliser l'outil que j'ai trouvé. Alors, on a des succès où il faudra améliorer de toute façon la fronde, l'alchimie, l'attirail, pardon, et les instruments. Et l'arbalète viendra se rajouter après. Donc, de toute façon, il faudra tout améliorer. Alors, si on améliore la fronde, on est quand même plus silencieux, ce qui n'est pas si mal. L'alchimie, on va pouvoir apporter plus de munitions, ce qui est pas mal aussi. Plus de jarres, donc un troisième pot, ce qui est pas mal non plus. Tout est bien en fait. Et on va pouvoir casser des jarres. Ah! Ah bah du coup, on va peut-être utiliser ça. On va pouvoir recycler. Ouais, c'est pas mal. Ça m'aidera bien. C'est pas mal du tout. On peut y aller? Oui, on sort. Voilà, là j'ai récupéré des fragments. Alors, on va descendre. Il y a un cadavre là. Les rats? Non. Là, y a rien. Poignardé. Les soldats, sans doute. C'est cruel.
Alors, on y va. C'est pas vrai. Les rats. Oh, des rats encore. Je te l'ai dit. Ils se moquent bien des murs. C'est à cause des carcasses. Oui. Ils suivent le sang à la trace. Mais on ne sait pas où il s'arrête, ce sang. Alors, on va passer par là. On va aller par là. Ah, là, il y a un ennemi, c'est jaune. Alors, attends. On va préparer notre pierre. Ah, il est là. Ouais. Hey non. Attention. On vous a oublié. C'est ma voiture. Moi non plus, je m'y attendais pas. Ça doit s'arrêter. Oh, la sale bête. Purée, il m'a foutu la trouille. Alors, attends, le prochain, il est où? Oh, 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 oh. On va aller par là-bas. Allez, dégagez. Hé, où est cette fichue Belladone? Je sais que c'est l'enfer, mais concentrez-vous sur votre tâche. Nettoyeur, les corps doivent rester dans la lumière. Rappeleur, vous prenez... Je savais que tous ces rats, c'était pas normal. Attends! Ah ouais, non, mais attends! Ah non, mais moi aussi! Non, pardon! C'est bon, je suis prudente là. Alors, il y a un coffre là-bas, attends. Ah, il y a un petit coffre. Allez voir le coffre là-bas. C'est pas pratique, c'est de jongler entre le feu et l'autre. Ok, alors. Est-ce que... Bah, je vais pouvoir rentrer peut-être dans l'église. Je prépare ma fronde au cas où. De jaune. Attends. Sachez. Sait jamais. Non. Profitez pour crafter un peu de ça aussi. Non. Bon, il sort pas. Ok.
Je vois pas où il est. Encore. Je reviendrai. Ouh là là, il est là. Oui, bien. On va le tuer. On va le tuer. Il rentre ou il rentre pas? Rien dans le coin. Comme avant. Vous voulez toujours me dévorer? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas pourquoi nous sommes là. Je sais. Ouais, bah. Bah ouais, attends. C'est un scandale. Où est ma femme? C'est l'herboriste. Foutez-vous à mes plantes. Les docteurs et les malades. Ils en ont tous. Il est où l'herboriste? Justement, on a besoin de vous et de vos plantes. Silence. Ouh, attends, il vient de vers moi. Bon sang. Ces cadavres. Je connaissais ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous! Vous les avez tués! Je veux voir mon épouse! Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors? Il faut faire quelque chose! Ils sont encerclés par les rats! Vous voulez mon aide? Ha! Vous êtes déjà tous condamnés! Écoute, l'herboriste, si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. Et je vous regarderai mourir en riant! Arrête! À genoux, tout de suite! Il va l'exécuter! Je sais pas quoi faire. À toi de te mettre à genoux si tu veux mon aide. Chien! Tu as dépassé les bornes. Attends. On veut me manger? Eh non! Non! Ah, il l'a tué! Sale pourriture! La mélatonine! Ah, purée! C'est fichu! Pas encore. Je sais à quoi elle ressemble. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Essaie de te calmer. Tu ne feras rien de bon dans cet état. Me calmer? Ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances, Hugo. Tiens. Espèce de lâche! Je vous aurai! Ah, je sais, je vous ai enfin trouvé! Chauffant! Ouais, mais attends, il a tué l'herboriste, j'ai même pas eu le temps de faire un tchoum tchoum que... Reste là, ça vous plaise ou non. Oh purée, j'ai même pas le temps de sauver l'herboriste. Ah. Donc, j'ai déverrouillé le succès, fabriqué sans munitions. Donc si jamais, voilà, ça s'obtient vraiment à force et à mesure de fabriquer Dites-moi que je rêve, je suis coincé. Ouais, tu peux pas m'avoir. Et du coup, moi je suis coincé aussi. Pour voir comment je peux passer moi maintenant. Et ça m'embête. Ah ouais, attends. Il me faudrait un petit bâton. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ce sont des soldats. Et un petit bâton. Avec des épées, oui. Oh, attends voir. Il me faut un bâton. C'était quoi? C'est rien, laisse-moi tranquille. Non, j'essaierai même pas. C'est eux, j'en suis sûr. Je sais que vous êtes par ici. Je vais rester gentiment ici.
là. Allez, viens. Enfin. On est repérés. Ouais. Attends. C'est ça. On va se faire manger ou pas? Voilà. Ah non. Ah là, il y a un bâton là. Voyons ce qu'il contient. Voilà, j'ai de la ressource. Alors, on pique un bâton. Et puis, on va partir. Du coup. Par là-bas. Allez, viens, copain. Et on va allumer de là. Tu trembles. C'est rien. Ça va passer. Ah ouais, ça va passer. Lâche le bâton. Alors, est-ce que c'est ça la porte? M'approchez pas. Il y a une petite loupiette là, on va essayer de la lever. Ok. Et puis on va reprendre un bâton. On va allumer. Et ma foi, l'arboriste. Et il a été mangé. Pas mangé, il a été tué. Après mangé plutôt. Poussez-vous. Ah, il y a un truc là. Poussez-vous. Voilà. On peut rentrer maintenant. Ah, ils l'ont verrouillé. Reste calme. C'est un vieux mur. Il doit y avoir un autre moyen. Oui, cherchons. Pourquoi tu chuchotes? On est tout seul. Alors, un petit truc, un vieux mur. Allez, suis-moi. On va passer par là. On va passer par là. Ah, dites-moi qu'on est bientôt arrivé, s'il vous plaît. Bien. Je pense qu'on est en sécurité. Je m'en suis assurée. Ah. Estime-toi heureux de ne pas être dans une charrette. Des plantes. Lucas, dis-moi qu'elle est là. Nous sommes chez l'herboriste. Il faut chercher. Dis-moi à quoi ressemble la belladone. Cherche une fleur violette, en forme d'étoile. Étoile violette. Alors, là, on a obtenu la compétence d'alchimie. On est en train de faire l'agressivité. Par contre, prudence, on n'est pas très balèze, là, en prudence. Ah, c'est qu'il faut qu'on les tue pas. Et puis nous, on les tue. On n'est pas très... on n'est pas très doué là-dedans. Ok. C'est tuer personne. C'est pas ça. Alors, on va faire le tour. Ah, on peut pas rentrer. Oh, pas de fleurs ici. Ton sang, concentre-toi. On y est. Tout va bien se passer. Oh, non, pas la bonne forme. Oh, il est pas ici, Lucas. Je sais. Allons dans la maison. Oui, elle doit être là-bas. Ah, il y a un cercle là. Attendez, bougez pas. Profitez pour crafter. Un cercle là. Attends, si j'arrive à la voir, évidemment. Ah, j'y arrive pas. Attendez. Ah, voilà. Eh ben, celui-là, il est pas évident à voir, hein. Je connais celle-là. Camomille. Une belle plante, très utile. Oui. Mère nous en donnait toujours quand on avait mal au ventre. C'était ce qui pouvait nous arriver de pire à l'époque. Ok, donc là on a donc récupéré une fleur qui est très très bien cachée. Et il nous manque encore un souvenir. Ok. Et on n'a toujours pas vu de coffre
Secret. La fleuriste, la femme de l'herboriste. Ils l'ont tuée. Oh non. Les salauds. Elle était si gentille. Waouh, ok. Écoute, je vois pas. Je vois pas d'autres fleurs violettes. Ah là, ça s'est débloqué. Alors attends, on va rentrer. Des outils de jardin. Oh, c'est une blague. Il y a que de la camelote. Oh, ça ne mène à rien. Et je suis attends. Là, au lieu d'être à ses côtés. Comment on va retourner là-bas? J'ai les mains moites. Trouvez-moi tous ceux qui se cachent. Amicia, viens voir. Oula. Des soldats. Attends, viens voir par toi-même. On a beaucoup de temps, alors remuez-vous. Vous, patrouillez ici. Donnez l'alerte si vous voyez un de ces maudits rats. Les autres avec moi. Prenez tout ce qui a de la valeur. Nourriture, médicaments, tout. Non. Ils vont entrer. Qu'est-ce qu'on fait? Hé hey. Quoi? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. J'ai le vertige. Mon cœur s'emballe. Je sais. Écoute, les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer la belladone avant eux. Il le faut. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret, ça ira. Ouais, tu parles. Si jamais il... Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Ce serait trop simple s'il arrivait à s'enfuir comme ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bah moi, apparemment. Attends. Où la suite? C'est par en haut. Attends qu'il ait le dos tourné. Je devrais regarder par là-bas. Il est vivant. Ah, il est là. Ah, attendez que j'arrive. Ah, attends, il y a un coffre là-bas. Ah, il y a trop de monde. Ah, il y a trop de monde. Trouve la belladone. Rapporte-la. Tue tous ceux qui te barrent le chemin. Pas là, je suis pas là, je suis pas là. Je suis pas là, les gars. Chut, allez-vous-en.
inutile de chercher ici. Ah ouais, y a rien. Allez, va-t'en. Y a un super beau coffre là-bas. Faut que vous ayez le dos tourné. Est-ce qu'il est vraiment primordial? Mais oui, cherche ailleurs. Est-ce qu'il est vraiment primordial, ce petit coffre? Ouais, je suis hors challenge. Ça me regarde. Je me casse aussi rapidement que je suis venu. Voilà, ni vu ni connu. Je t'ai embrouillé. Ah, attends, il y en a un qui me regarde. Allez, jetez ailleurs, s'il vous plaît, là. Tout ça, c'est ta faute. C'est à toi d'arranger ça. Arrête de parler, il est à côté de toi. Quand même parce que... Arrêtez. Tiens bon Lucas, je suis là. Il faut le payer. Qu'est-ce qu'ils espèrent trouver ici, ces pillards? Ils cherchent des remèdes? Un peu comme nous. Sale pourriture, vous allez payer. Attends, y a un truc qui brille là-bas. Est-ce que je vais parler Marguerite ou pas? Tu peux t'en aller mec ou tu peux pas t'en aller? Oh, y en a un qui me voit aussi. J'ai le dos tourné. Essayez par les Marguerite hein. Pas trop ce que c'est mais... Bon, ils sont pas là. Absolument rien ici. Attends, y en a un qui me voit. Quelque chose? Non, rien. Surveille les buissons. Ils pourraient se cacher dedans. Comment ça, les buissons? C'est discretos. Passons à autre chose. Franchement, là, si j'ai pas amélioré ma compétence furtivité... Faites qu'il soit vivant, par pitié. Je vais quand même préparer ma fronde. Ouais, c'est bon, j'ai des griffes. Parle, petit. Qui est avec toi? Allez, un gamin comme toi ne serait pas arrivé ici tout seul. Parle vite, ou je te tue. Laissez-moi partir. Ils t'ont fait du mal? Je m'en remettrai. Oui. Merci. Celui-là a compris la leçon. Sale chien galeux. Hey, oublie ce soldat. J'ai trouvé la belladone. Il faut qu'on parte. J'ai entendu des cris dans la grotte. Ils arrivent. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Non. On a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non. Ils vont nous suivre. Et j'en ai assez. Attends. On va préparer mes... Il y a déjà un truc. Alerte. Tiens, prends ça! Tu vois, dis-moi que rien, aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Non! Je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce que je vais leur montrer que c'est terminé. T'es qui, toi? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il a un bouclier. Attention! Une intruse! Elle est armée! Vise les sacs, Amicia. Ça va les aveugler. Purée, mais j'arrive pas à la voir. Tiens.
Quand tu trouves à qui parler? Ils sont trop nombreux! Il faut qu'on parte, vite! Pars si tu veux! C'est mon territoire maintenant! Ils vont tous mourir! Là! Je t'aurai! Tu es mort! Ah oui! Viens alors! Montre-moi comment tu vas faire! C'est tout ce que vous avez? Allez! Tu dois arrêter ça! On va mourir ici! Tu te trompes! Tu as peur! Tu vois l'hostile chez eux! Oui, suis-moi, bon chien! Arrêtez-la! C'est une gamine qui joue les durs! Ouais! Une gamine qui vous massacre! Patience! Ton tour viendra bientôt! Oh! Ma hutte! Remettez-la à sa place! Oui, venez! On vous attend! Vous voyez? C'est moi qui fixe les règles maintenant! Ça suffit! L'honneur de notre armée est en jeu! Non! Vous l'avez déjà perdu! T'es mort! T'es mort, tu m'entends? Oh, c'est qui me court derrière? Non! Les ennemis sont vachement plus vifs qu'avant. Ils étaient pas aussi téméraires dans les premiers épisodes. Vache. N'espérez pas une mort rapide après ce que vous avez fait. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous avant de vous pendre. Ah ouais, on va finir pendu. Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire. Allez. Tu peux faire mieux que ça. Il y a toute une garnison ici. Tu devrais te laisser un peu aller. Arrête. Non. Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis. On était juste censé ramener des plantes. Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle? Et sans sa sœur qui va finir pendue? J'ai fait une erreur. D'accord? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas. J'ai l'impression de devenir folle. Oui, parce que ce monde fait souffrir. Encore et encore. Et tu veux lui faire payer. Mais c'est un combat perdu d'avance. Tu n'es pas comme eux. Tu es une de runes. C'est nous. Écoute. Ça s'active avec du feu. Attends mon signal. Dehors, vous deux. La corde vous attend. Mais j'ai même plus de fronde, j'ai plus rien. Restez là. On va attendre le bourreau. Il doit en finir avec quelqu'un, là. Tenez-vous bien devant la bête. Il faut qu'on se dépêche. Vous êtes que des morceaux de viande. Juste bon. Oh! Ok, cours, 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 cours! C'était quoi? J'appelle ça stupéfaction. Tu dis pas. Ça m'a stupéfaite, c'est sûr! Efficace. Ils sont toujours pas fronde. Bon sang, je vois rien! Ça va les ralentir. Tu nous as sauvé la vie là-bas. Oui, oui. Où va-t-on maintenant? Il doit bien y avoir une passerelle. Alors attends. Il y a une fenêtre là, toi. Attends, il y a une porte là. Fermée. Non, non. Ah, purée. On ne peut pas rester ici. On va passer par la fenêtre, hein, écoute. Pas toi, Lucas. Pas le choix. Oh, Seigneur, c'est haut. C'est sans danger. En quelque sorte. Viens. Oh, wow. C'est pas du tout sans danger. Chut, calme-toi. Allez, viens. Je crois que c'est la seule façon de sortir d'ici. Tu plaisantes? Non. Reste collé au mur. Oh, pitié. Avance, avance. Pitié. Allez, tu peux y arriver. Je suis désolée pour tout ça. Oh, tout est ma faute. Là, honnêtement, je m'en moque. Il y a un autre toit. On y est presque.
Moi, pour longer un mur comme ça, va falloir m'attacher. Hein. Moi, il est hors de question que je longe un mur comme ça. Je vous le dis d'emblée. On a réussi. Descendons de ce toit. Par pitié. Prenons un peu de temps pour admirer le paysage. Il est quand même pas mal. Hein. Même pas mal. Voilà. C'était le petit aparté. Pousse-toi, pousse-toi. On va aller là. Ouais, depuis les faubourgs, les portes du quartier débouchées. Ah, alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle, hein? Ouais, cette foutue sorcière et sa fronde. Mais la bête l'a eu, et on a trouvé un sorcier pour tenir une semaine. Beau boulot. Sorcière. Allez au dépôt, vite. La fille va être pendue sous peu. Il va y avoir beaucoup de monde. Oh, j'y serai. Tu parles. Ce chariot, Amicia, la Belladone devrait y être. Et ta fronde aussi, peut-être. On ne peut pas prendre le risque. Hugo a besoin de nous. On fera ça. Oui, c'est plus sage. Alors, on va aller par là. Un autre garde. On va aller là. Oh, il ne bouge pas. Mais il y a un feu. Dis-moi quand tu es prête. Lucas, vas-y. Lance la stupéfaction. Oui. Avance. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ça se dissipera vite. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Et là, c'est fermé. Et là, on peut pas. Et donc, on va aller par là. Et il n'y a toujours rien à ramasser. Hugo est quelque part. J'espère qu'il va bien. Les jours de la ville sont comptés. Oui. Retournons à la maison. Ah, c'est fermé. On a de la compagnie. Attention. Oh là, il me cherche. Vraiment ? On va y aller mollo. À quoi ça sert de faire des réserves pour un siège ? Je dis pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes. Ils vont vouloir quitter la ville. Mais quand ils comprendront qu'ils ne peuvent pas, rien. Ils vont se retourner contre nous. Tu sais où on doit aller. Non, mais continuons d'avancer. J'avance là où je vois des petits cercles blancs. Au fait, t'as fini? Sous la table. Fini vite. Quoi? Oula. Nettoyez la réserve. Je fais que ça depuis deux jours. Laisse-moi faire une pause, bon sang. Ne bouge pas. Et on voit rien, hein. Ah bon? On y va. Je dors plus avec tout ce qui se passe. Allez, monte, 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 monte. Non. Par là. Bien. On va y arriver, bien sûr. Mais ouais, on va y arriver, attends. Perdu par ma faute. Inutile d'y penser maintenant. Pas. C'est moi, j'ai ma manie de la fronde là. Là, on peut descendre. Oh, hop. Lucas, je crois qu'on a trouvé leur réserve. Vraiment? Oui, tu as raison. Alors ça veut dire que la Belladone doit être ici. Et ma fronde aussi. D'accord. Tu cherches la Belladone. Et moi, je cherche ma fronde. Elle pourrait servir. Oui, la Belladone. J'espère qu'elle est toujours bien emballée. Je cherche surtout des trucs à... à ramasser. Donc, c'est pas par là. Plantes séchées, poudre... Oh, cherche encore. Alors, tac, tac, tac. Ah, y'a rien. Des armes. Épée. Dague. Oh, pas de fronde. Peut-être ailleurs.
Moi, je serais elle, je prendrais la dague. Hein. On serait... Non. Ah, ne dis plus rien. Oui. Non. À casser. Non. Attends. Je me rappelle. Ça pourrait quand même être utile. Mais où se cache cette belladone? Un truc à casser là-bas. Vas-y, moi, penser. Il faut que j'aille casser un truc par là-bas. Alors, regardez par là. Peut-être ici. Oh, s'il vous plaît. Non plus. Où l'ont-ils mise? Oh, les forces démontent. Franchement. Peut-être ici. Non. Prends la dague. Gardons ça pour plus tard. Ça a l'air fermé. Peut-être avec un couteau. Oh, te voilà. Je l'ai. Attention avec ça, d'accord? Je sais. Ah. Cette odeur. C'est... Oui. J'ai trouvé la belladone, Amicia. Enfin. Ça n'aura pas servi à rien. Et ceci est donc notre coffre secret. J'ai le coffre secret. Mais ça valait le coup. Il y a plein de choses là-dedans. Je vais devoir ouvrir l'œil. On pourrait trouver d'autres le coffres. Le coffre secret. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle parle? Donc, le coffre secret s'ouvre avec un couteau. Donc, en fait, nous avons ici notre tout premier coffre. Alors, vous ne verrez pas dans le menu comme quoi, effectivement, vous avez ouvert le coffre. Mais au niveau de votre suivi dans les succès de la Xbox ou de la PS, vous aurez donc un marqueur avancé. Voyons ce qu'on peut faire. Et on va en profiter pour crafter. Ça, c'est pas mal quand même. J'hésite entre ça et l'alchimie. Et la fronde aussi, elle fait quand même pas mal de bruit. Allez, on va augmenter la fronde. Là. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Ah! Non, j'ai cru que je pouvais augmenter ça. Ah, j'ai pas assez... Ah! J'ai pas assez de matériaux. Ok. Donc on a une fronde un peu plus silencieuse. Du coup, on va pouvoir... casser ça là. Il me fait de l'œil depuis tout à l'heure. On va remonter. On va passer de l'autre côté, on va voir ce qu'il y a là. Attends. Mais oui. Lucas, ils ont une carte de la Guyane. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. La mer est là. Le lac. La maison était... par ici, je dirais. Ouais. Hé, hey, arrête. Tu te fais du mal avec tout ça. Oui. C'est... c'est du passé. Ok! Et là, on a obtenu notre deuxième souvenir. Donc, notre quatrième sur 21. C'est pas mal, on est quand même balèze, là. Donc dans ce chapitre, nous avons un coffre, une fleur et deux souvenirs. Et je sais plus comment redescendre. C'est par là. Ça veut bien... Ah bah non, elle est coincée. Alors, elle est passée où, Lucas? Vérifie juste qu'il n'y a pas... Non, il n'y a rien par là. Où est Lucas? Ah, il est là. Alors? Des gardes. Partir bientôt? Je sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Bon sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. Oh, j'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Jetons un coup d'œil. Bien sûr. Tu vois ce que je vois? Quoi? Là-haut. La baliste. Écoute,
J'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfaction. On peut en enduire la pointe du carreau, le décocher et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les aveugler. Si ça marche. On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire pour monter? Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen. Va chercher plus d'hommes. On double toutes les patrouilles. Dépêchons-nous. Ils seront bientôt encore plus nombreux. Je ne sais pas. Regarde-moi cette pagaille. Ça pourrait être... Là, j'ai trouvé un chariot. Oui, bien joué. Mettons-le en place. Oula. Alors, attends. Chariot à l'envers, je suis pas très douée. C'est bien trop calme. La pagaille en ville doit jouer en notre faveur. Oui, ils ont peur. Je suis trop nulle pour conduire ce truc, moi. Voilà. La manivelle maintenant. Alors là, y a rien. Pousse-toi, pousse-toi. Allons-y. Allez, go. Oh, ce truc est lourd. Tu as déjà utilisé quelque chose comme ça? Bien sûr que non. Ah, ça brille en haut. Ah. Je peux me charger de cette manivelle si tu veux. Oui. On doit pouvoir se débarrasser de cette chaîne. Lucas, occupe-toi de ça s'il te plaît. Bien sûr. On descend. Ça marche. Oui. Vas-y, vas-y. Vas-y. Descends plus bas. La chaîne est coupée. Tu peux lâcher. Bien. Amenons-la à la porte. C'est déjà joyeux le futur. Attends, le stupéfaction. C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez. Vas-y. C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Alors là. Tu vas ouvrir les portes. Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi? Mais on sait même pas si ça va traverser. Trop tard pour s'en soucier. Tu es prêt? Prêt. Et tu lâches. Wouh! Feu! Oh, trop balèze! Enfin, vous avez mis tant de temps. Eh bien, je... L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Dites-lui tout va que... bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Surtout pour vous. Non. Oula, ça rigole plus, hein. Bon, et ben voilà, hein, on a fait ce chapitre 3, donc on a obtenu, comme je vous ai dit, un coffre secret, donc qui s'ouvre toujours à l'aide d'un couteau. On a réussi à trouver la petite fleur, et on a obtenu deux souvenirs. J'ai toujours pas vu de plume. Voilà, et puis si vous regardez bien dans le menu, il n'y a pas la présence de plume encore d'indiquer, donc pour l'instant... Au niveau de ce qu'il faut ramasser, on est bon. On a déjà pu crafter aussi deux éléments. Donc après, bon, moi j'ai choisi les miens, mais voilà, libre à vous de faire en fonction de comment vous le sentez. Et puis je pense qu'on est quand même pas mal du tout. Hein, pas mal du tout.
Bon, bah moi, sur ce, je vais vous laisser. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à me rejoindre sur Twitch. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter si jamais. Hein. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao !